Ticha, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu qui s'appelle My Free Zone et on va le découvrir ensemble. Quand j'étais plus jeune, j'avais joué à un jeu qui s'appelait monzo.net. Sauf que ma partie a été supprimée et donc je me suis dit que j'allais tout refaire. Et pendant que j'étais en train de regarder ça, j'ai vu qu'il y avait un nouveau jeu qui à mon avis est beaucoup plus récent qui s'appelait My Free Zone. Donc je me suis dit autant le tester plutôt que de refaire un jeu que j'ai déjà fait et donc je me suis inscrite. Alors c'est marqué qu'il faut sauver le zoo. Ah bonjour Ferragé, je suis directeur du zoo Monsieur Poli. C'est bien que tu sois venu, notre zoo est à court d'argent. Si nous n'arrivons pas à atteindre 3 visiteurs en même temps, le zoo survivra. Je veux dire si on arrive à atteindre 3 visiteurs. Ok, donc ça a l'air de bouger un petit peu, c'est mignon, on va suivre le tutoriel. Est-ce que tu vois les cartes là-bas dans la barre de cartes? Clique sur une carte. Est-ce que je vois une carte? Non? C'est le truc qui brille là? C'est des petits papillons. Est-ce que tu vois une carte? Ça? Et regarde les animaux. Oh, trop mignon cette bouille de mouton! Héberge petit, chemin de sable, mouton. Alors pour l'instant, c'est un zoo où on peut voir des moutons. Hein. C'est pas le meilleur zoo, best zoo ever. Mais non, je vois pas de carte. Je vais cliquer partout. Hein. Ça, c'est un caddie pour acheter des petites choses. Voilà. Nouveau, on peut acheter des lapins, on peut acheter des herbages. D'accord. On peut acheter des petites maisons, on peut vendre des glaces, on peut mettre pas mal de choses. Enfin, je pense qu'une fois que c'est. Une fois qu'on a un peu d'argent, on peut vraiment faire un beau zoo. On a quand même un terrain assez grand, et puis je vois qu'on peut l'agrandir à droite à gauche, donc ça c'est cool. Ça c'est quoi? Ça c'est l'entrée du zoo, ok. Alors dites-moi si je suis totalement bigleuse de pas trouver de cartes. Alors, supprimer le compte, réglage, ouvrir le profil, blablabla, tout ça on s'en fiche. Choisir l'animal favori. Mon animal favori? J'hésite. Il y a le lion, il y a le panda roux, des espèces de... Ah oui, d'accord. Ah oui! Ah oui! On a tous les animaux. J'en sais rien, moi. Choisissez votre animal préféré, ils sont gentils. Il y a trop d'animaux pour choisir son animal préféré. J'adore le renard, mais là, je suis tentée d'en choisir un autre. Il y en a tellement. 19 pages d'animaux, quand même. On va rester sur notre petite panthère du début, hein. Alors, est-ce que tu vois les cartes? Les cartes là-bas. Là-bas. Là, c'est où là-bas? J'ai l'impression d'être dans Fortnite quand on dit attention, il y a un méchant là-bas. Là-bas, ça ne veut rien dire. Il y a un méchant au sud, il y a un méchant à l'est, il y a un méchant sur ta droite. Et là, il y a rien dans la barre de cartes. Clique sur la carte héberge petit. Ah, ça doit être ça alors. Ok, et après, je le pose quoi. Très bien! Tu vois, tu disposes maintenant d'un enclos dans ton zoo. Bah, on a même deux enclos. Et la carte a disparu de la barre de cartes. Maintenant, choisis l'espèce d'animal dans l'enclos de la barre de cartes. Bah, du coup, des moutons. On n'a pas trop le choix. Je peux en mettre un autre, là? Bah! Bah! Oh, j'en ai pas mis deux dans le même enclos. C'est peut-être pas bien. Il est tout seul, du coup, lui, le pauvre. Dans la part des cartes, tu vois que tu as acheté dans le magasin. Cependant, ces objets n'attirent pas les visiteurs si on ne les met pas dans le parc. Ok, donc pareil, le petit chemin... Pour aller voir le moutmout, il faut que qu'il puisse faire le tour du moutmout quoi. En gros, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ah, faut que j'en mette encore d'autres. Et bah on va faire un cul-de-sac hein. Hop là. Cul-de-sac de l'autre côté aussi. Ah voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, parfait. Alors. Bah c'est bon, on a fait les cartes, hein. Sauver le zoo, on est sur le dossier. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Ça c'est quoi? C'est quoi cette bête? Enlever le chemin. Ah d'accord, ok. Chemin de sable. Il y a d'autres animaux. Genre si je veux un lapin. Si je veux acheter un lapin. Imaginons, j'ai acheté un lapin. Ok. Et maintenant, je veux mettre le lapin. Tu n'as actuellement qu'un enclos adéquat pour cet animal. Ah, je peux pas le mettre avec mon mouton. Bah, on va aller acheter un enclos, il n'y a pas de souci. Hein. Herbage petit. Herbage long. Herbage moyen. Herbage petit. Ok. Herbage petit. Ça, c'est petit, ça. Ça, c'est pas petit, ça. Et là, je peux mettre mon lapin? Oui! Trop mignon. Voilà, on a un lapin. Construis d'autres enclos et mets-y des animaux. Plus tu as d'animaux dans ton zoo, plus il y aura de visiteurs. Ça semble logique. Et bah, ok, on va acheter. Moi, j'achète, hein. Allez, un autre petit herbage, on va le mettre là, il y a de la place. Là, parfait. C'était l'emplacement pour. Par contre, au niveau des animaux, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lapin, cochon, petite biquette... Pour l'instant, on n'en a pas 36 et après, les niveaux sont au-dessus. Bah, on va mettre un cochon. On a combien de sous? Oui, parce qu'il faut pas dépenser tous ces sous non plus. Voilà. Bah, pour l'instant, ça ressemble plus à une ferme qu'un zoo, hein, entre les lapins, les cochons et les moutons. Mais chacun fait sa petite vie. Plus d'animaux, plus d'auditeurs, d'accord, ok. Bah, on a qu'à racheter un petit lapin, alors. Ah, j'ai racheté un cochon, génial. Bon, je rachète tout le monde, allez, c'est parti. Alors, le cochon avec son copain le cochon. Le lièvre avec son copain le lièvre. Et le petit moutmout avec son pote le moutmout. Voilà, comme ça au moins il... Oh, il se roule par terre, c'est trop chaud. Est-ce qu'on est bon? Il a pas l'air toujours content, le monsieur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tu peux mettre des petites maisons, ça on a déjà, ça on n'a pas.
Faut que je le débloque plus tard. Je peux mettre de la déco. Ah, faut que je l'achète, alors on va arrêter. Voilà, on va se prendre des petites fleurs, on va tout décorer. Donc à chaque fois, ça se met dans les cartes en bas. Ah ouais, puis c'est pas la grosse déco, quoi. Je remets un peu à droite à gauche, mais... Les cartes suivantes sont désormais disponibles. Ok, donc on est monté de niveau. Bien fait, Ferragi. Le zoo est sauvé. 5 minutes pour sauver le zoo. Ah, continue ainsi. Si nous arrivons à atteindre 3 visiteurs en même temps, le zoo survivra. 3 sur 3, récompense, tout ça, tout ça. Donc on a gagné des sous, on a gagné plein de choses. Alors, ici. Achète 3 stands en total. Il n'est pas nécessaire d'acheter des stands différents. Ok, donc je peux acheter des petits stands comme ça, de boissons, quoi. Voilà. C'est les moins chers, hein. Au début, je suis désolée, mais on fait de l'économie. Voilà, je mets des stands un peu partout. Si vous avez soif, surtout, n'hésitez pas. Les stands sont là pour ça. Faut juste 20 minutes pour qu'ils se construisent. C'est rentable, hein. C'est franchement, c'est rentable. Regarde, tu vas recevoir un boost de cartes. Yes, j'ai reçu des pavots jaunes. À moins que c'est peut-être ceux que j'avais. Clique sur le booster pour voir ce qui t'attend. C'est ça le booster? Ceci n'est pas un booster. Où est mon booster de... Là. Yes. Alors, ouvrir un booster. Bah c'est parti. Retourner au hasard. Purée, je stresse là. Il te manque 3 cartes. Pièce albatros, pièce nénuphar. Ok, et là c'est bon. J'ai eu des choses en plus quoi. Je sais pas ce que ça fait, mais j'ai eu des choses en plus. C'est bizarre hein, de faire ça avec des cartes. Faut que je plante des fleurs aussi. Planter des fleurs additionnelles de la catégorie décoration fleurs. Décoration fleurs. Et bah c'est celle-là. Hein. Faut les débloquer avec des diamants. Donc on va prendre celle-là. Voilà. Parfait. Et maintenant on les pose. J'en ai posé un peu beaucoup. Pas se mentir. Voilà. On en met là. Bon on fait de la déco. Hein. Voilà. On vient de réussir à planter. On a fait de la déco en plantant 3 fleurs et demie. Mais c'est mignon tout ça. 3 sur 5. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut encore? Faut des fleurs différentes après, c'est ça? On va prendre des fleurs différentes, y a pas de souci. On va te mettre un peu de lierre. Voilà. Parfait. Planter des buissons. Ah! Combien de buissons? Moi, j'en ai pris 2. Si avec ça, c'est pas fleuri. Encore des buissons? Allez, on continue les buissons. Y a même des buissons enneigés, là. Mais là, ça va bientôt être l'été, alors on arrête la neige. On arrête les bêtises. Encore? Je sais pas combien il faut qu'on en plante de buissons, mais... C'est 50 euros le buisson, quand même, hein. Ah, voilà, c'est bon. Bon, bah, du coup, j'en ai 2 de plus. Voilà. Plante des arbres! Bah oui! Bah oui, ça suffisait pas, tout ce qu'on a fait. Allez, 4 arbres, c'est parti! Ça coûte cher, aussi, les arbres. Allez, on en met un, là. C'est la forêt. Pour l'instant, on n'est pas très organisé. Ok, 3, ça suffisait. J'en avais pris 4. Voilà, parfait. Construit 2 snack bars. Alors si c'est ça les snack bars, on en a déjà 12 quoi. C'est vraiment, les gens ne vont pas mourir de soif quoi. Il y en a partout. Allez, j'en mets un là. Non mais il y en a vraiment partout là, c'est abusé. Hein. C'est vraiment... buvez les gens, buvez. C'est, faut pas se déshydrater, buvez. Des magasins souvenirs. Ça, ça doit être ça. Alors les petits magasins souvenirs. Tant qu'on a des sous, ça va, hein, le jeu avance, mais bientôt on va pas être bien. Ok. Encore des buissons. Non mais les gens, à un moment, ça va quoi. Magasin souvenir. Ah bah je me suis trompée, je crois, les magasins souvenirs. Bah non, c'était avec les ballons. C'est le temps que ça se termine. Et bah écoutez, voilà, c'est un petit jeu comme ça. Alors je sais pas après au niveau des animaux ce que ça va donner. Je trouve qu'ils sont quand même expressifs, donc c'est assez chou. Le fait qu'ils bougent un petit peu, que les cochons se remuent et puis on voit les petits bonhommes qui se baladent, là c'est assez mignon. Moi j'adore ce genre de construction, c'est pour ça qu'on en a fait dans Roblox. Et c'est le genre de jeu qui prend pas trop de temps et auquel on peut jouer un peu tous les jours. Donc je trouve ça toujours très 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 mignon. En tout cas, j'espère que ce petit jeu vous plaît. Si vous avez d'autres petits jeux dans ce genre-là, je suis carrément preneuse. J'aimerais bien faire des sortes de mini-vidéos avec plein de petits jeux. Comme ça, je pense que ça peut être chouette. Et vous, ça peut vous donner des idées de jeux. Puis c'est le genre de jeu, à mon avis, qui est très cool à faire sur tablette ou sur téléphone. En tout cas, moi, je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Des bisous. I could stay like this. Forever following you.